Le prince Harry et Meghan Markle sont prêts, disposés et capables de retourner en Grande-Bretagne avec leurs deux jeunes enfants cet été dans une démonstration d'unité familiale pour le roi Charles, a-t-on affirmé. Le prince Harry et Meghan Markle ont libéré leur emploi du temps dans l'espoir que son père, atteint d'un cancer, leur proposera une invitation, Rameau d'Olivier, pour rejoindre le roi Charles et la reine Camilla à Balmoral, selon une source haut placée à Hollywood. Le monarque malade, âgé de 75 ans, serait particulièrement désireux de faire connaissance avec ses petits-enfants basés aux États-Unis. Le prince Archie, qui aura 5 ans le mois prochain, et la princesse Lilibet, qu'il n'a rencontré qu'une seule fois en personne et qui aura 3 ans en juin. Harry lui-même doit célébrer son 40e anniversaire en septembre et un responsable du divertissement proche de lui et de Meghan a déclaré. Il considère cet été comme un point pivot pour rétablir les relations avec le roi Charles. Ils sont prêts, disposés et capables de se rendre à Balmoral si l'invitation leur parvient et ils espèrent sincèrement que ce sera le cas. En plus de soutenir le roi dans sa lutte contre le cancer, ils sont tout aussi soucieux que lui que leurs enfants passent du temps de qualité avec leur grand-père. Les rapports américains de la semaine dernière selon lesquels une invitation à la retraite annuelle des Highlands était « imminente » ont été rejetés comme prématurés par certains observateurs royaux qui estiment également qu'il y a peu de chances de réconciliation entre les Sussex et le frère de Harry, le prince William, et sa belle-sœur, la princesse Kate, qui subit également une chimiothérapie suite à son diagnostic de cancer du sein.